Hallelujah. Praise the Lord. Ce soir, this evening, nous allons envoyer l'évangile dans nos familles. We are going to send the gospel into our families. Le combat se fait par la foi. The battle is done by faith. Faut pas douter. Do not doubt. Quand tu dis, when you say, que les disciples entrent dans mon village, let disciples enter my village, ça va s'accomplir. It will come to pass. Ça va s'accomplir. It will come to pass. Quand tu dis, je brise les barrières, when you say, I break the barriers, dressé par l'ennemi, that has been set by the enemy, pour empêcher la pénétration des vrais enfants de Dieu avec l'évangile de vérité, to prevent the genuine children of God to enter with the gospel of truth, ça va s'accomplir. It will come true. Il y a Abidjan ici. Here in Abidjan, il y a une sœur. There's a sister. Un jour, elle va chez son grand frère. One day, she paid visit to a senior brother. Elle trouve que la maison de son grand frère est vide, pas de fauteuil, pas de télé, pas de frigo, rien. She found out that the house of her brother is empty, no TV set, no armchairs, nothing. Elle demande à son frère, mais qu'est-ce qui ne va pas? She asked her brother, what's wrong? Il dit que c'est un prophète. Il a dit que Dieu demandait les objets de valeur, tous les objets de valeur. He said that it's a prophet. He told him that God is asked for all the objects of value. Elle a dit, c'est faux. She said, it's wrong. Allons. Let's go. Ils sont partis, dit, remets tout. They went there, he said, give back, give all. Elle a tout récupéré. And she recovered everything. Ça, c'est la bénédiction d'être avec un disciple, les gens qui connaissent Jésus-Christ. This is the blessing of a disciple, people who know Jesus. Sinon, otherwise, cet homme allait toujours croire que Dieu a demandé sa télé, ses fauteuils, son réfrigérateur et consorts. That man would always believe that God asked for his TV set, his armchairs, and so on and so forth. Dieu n'est pas un bandit. God is not a robber. Quand tu connais ces choses-là, when you know these things, tu as le courage, you have the courage, et puis ta vision est claire. And your vision is clear. Quand tu dis, j'envoie l'évangile dans mon village, when I say, when you say, I send the gospel into my village, ça pèse. It weighs. Quand tu sais que quelqu'un peut venir dire à ton frère, when you know that somebody can come and tell your brother, que Dieu dit, that God says, ton champ de café là m'appartient, that your coffee plantation belongs to me, donne ça à mon serviteur, give it to my servant, et il dépouille tout, and he strips him of everything. Quand tu sais ça, when you know that, tu sauras comment envoyer les missionnaires dans ton village. You will know how to en send, prière, bien sûr, to send missionary in your village through prayer. C'est ce qu'on va faire ce soir. This is what we are going to do this evening. Et un jour, and one day, tu vas entendre que l'évangile authentique est arrivé chez toi. And you will hear that the genuine gospel has got to your village. Et que les incrédules endurcis se sont ouverts à l'évangile. And that the hardened unbelievers have received the gospel. Ça va arriver. This will happen. Il y avait un apôtre. There was an apostle. Qui a cru authentiquement. Who genuinely believed. Et il a refusé d'être orgueilleux. And he refused to be boastful. Il a accepté de se repentir. He accepted to repent. Il a même reçu le brisement des liens. And his evil ties were broken. Et on l'a baptisé. And he was baptized. Et c'est lui qui nous racontait une histoire. And he's the one who was telling us a story. Il dit, he said, un jeune prophète est venu chez lui. A young prophet
pay visit to him. Entre guillemets. Between brackets. Jeune prophète, entre guillemets. Young prophet, between inverted commas. Il lui dit, he says, donne-moi le café. Give me coffee. Il lui dit, je n'ai pas l'argent. He said, I don't have money. Je n'ai que 10 000 francs. I only have 10,000. Il lui dit, bon, viens avec. He said, okay, let's go. Ils se sont assis dans un café. They sat in a place where they sell coffee. Ils ont dépensé les 10 000 francs. They spent the 10,000. Il a dit au prophète, he told the prophet, suis-moi. Follow me. Ils sont arrivés chez une dame. They went to a lady. Le jeune prophète dit, the young prophet said, Dieu dit, God says, signe un chèque de 50 000 à mon serviteur. Sign a check of 50,000 to my servant. Elle a pris le chéquier. She took her check. 50 000. 50,000. Elle a donné à l'apôtre. And gave to the apostle. Et le petit jeune prophète dit à l'apôtre que c'est comme ça qu'on fait. And the young prophet said to the apostle, this is how we do. This is how we do. Quand tu sais ça, when you know that, quand tu envoies l'évangile chez toi, when you send the gospel into your village, tu sais ce que tu fais. You know what you are doing. Et Dieu aime ça. And God loves that. Et c'est ce qu'on va faire. This is what we are going to do. Sinon, tu vas attendre là que on a dit à ton oncle ou à ton père, signe un chèque de 100 000 francs. If not, you will hear that your uncle or your father have been told by a prophet, sign a check of 50,000. Ou bien, or, ton mari, your husband, entre quelque part, get somewhere, on prophétise sur lui, and they prophesy on him. Il y a une dame. There's a woman. Ils étaient à la CMCI. They were in CMFI. Avec son mari. Elle était avec son mari à la CMCI. She was with her husband in CMFI. Elle a retrogradé. She backslid. Son mari a retrogradé. Her husband also backslid. Son mari est parti prier avec une prophétesse. And non, elle-même, elle est partie prier avec une prophétesse. She went to pray with the prophetess. Son mari, et la prophétesse lui a dit, il faut que ton mari vienne. And the prophetess told her, your husband must come. He must come. He, quand son mari arrivait, when her husband got there, elle, la prophétesse a prophétisé sur le mari. The prophetess prophesied on the husband. Et a arraché le mari. And she snatched the husband. She took her. Elle a prophétisé sur lui. She prophesied on him. Et il a pris. And he believed. Maintenant, c'était les larmes. Now it was the tears. Elle est revenue pleurer chez moi. She came to me to cry now. Mais quand tu connais ces choses-là, when you know these things, tu sauras comment prier pour tes amis. You will know how to pray for your friends. Tu seras quand tu vas dire, oh Seigneur, say, oh Lord, permets que l'évangile atteigne mes parents. Allow that the gospel reaches my relatives. Et le frère Jean disait, Dazak was saying, les maladies sont aussi dans cette course. The diseases also are also in that race. Le sida est là. AIDS is there. Un peu de retard, je trouve que le sida a déjà pris. A small delay, you'll find out that the AIDS are already taken. Quand tu demandes que l'évangile pénètre, when you pray for the gospel to penetrate, tu sais ce que tu fais. You know what you are doing. Et ça marche. And it works. Ça va s'accomplir. It will come to pass. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu vois les persécutions qu'on t'impose, when you see the persecutions that they impose you, they impose la you. Haine, hatred, le mépris, and despise. Quand on va te dire, when I tell you, prie que l'évangile soit accepté chez toi. Pray that the gospel be accepted in your home. Tu sauras comment prier. You know how to pray. Tu sauras comment prier. You know how to pray. Si tu as déjà vu, if you have already seen, que Marie, that a husband chasse sa femme, I mean, drives out his wife, parce qu'elle a dit Jésus est Seigneur. Because she believed, she said that quand Jesus is Lord. Quand tu penses à ça, when you think about tu that, sauras you will know comment prier, how to pray, pour que l'évangile pénètre dans ta famille, for the gospel to penetrate your family, qu'il y ait des conversions, so that there will be conversions. On ne va même pas t'expliquer. You will not even explain. Toi-même, it to you. Tu auras les mots. You yourself will have words. Et ça va marcher. And this will work. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus.
Psaume 2. Psaume 2. Verset 8. Verse 8. Lis à haute voix. Read loudly. Psaume chapitre 2, le verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Tiens-toi debout. Stand up. Dis à Jésus. Tell Jesus. Donne-moi ma famille. Give me your my family. Je vais les conduire à toi. I will lead them to you. Relis le passage. Read the passage anew. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Psalm chapter. Tu peux demander. You can ask. Les nations. Nations. Dieu va te donner. God will give you. Mais ce soir. But this evening. Demande ta famille. Ask your family. La grande, pas la petite famille, père et mère et les enfants, non. La grande famille. The large family, not the small family that is the father, the mother and the children. Avec toutes les alliances. With all the covenants. Dieu va exaucer. God will answer. Dieu va exaucer. God will answer. Et nous allons vivre une autre réalité spirituelle. And we will have some other spiritual realities. Les histoires qui viennent de nos familles. The stories that come from our family stem from our families. On dit les sorciers. They say the sorcerers. Ont tué le jeune diplômé. Have killed that young graduate man. Il y a un jeune homme. There's a young man. Il nous racontait une histoire. He was telling us a story. Il a fui le village. Pourquoi? He fled the village. Why? Parce qu'on tue tous ceux qui sont intellectuels. Because all those who are intellectuals are killed. Et un jour. And one day. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un jeune homme qui avait la licence. That they needed a young man who had the bachelor degree. Et ils ont dit, en attendant de le manger, on va d'abord prendre le petit déjeuner avec le jeune frère qui a fui le village. But they said that in the meantime. Est-ce que Roger est là? In the meantime, we'll take the breakfast to the one who fled from the village. Ouais, viens, parce que. Yes, come. Je rate beaucoup de choses. I'm failing a lot. Donne-lui le micro. Give him the microphone. C'est lui qui était le poulet. C'est-à-dire, en attendant l'étudiant. C'est lui qu'on devait manger d'abord. Il a fui. While they are waiting for the student to eat, they took him. They wanted to take him, and he fled. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Aujourd'hui, today, je rends grâce à Dieu. I give thanks to God. Parce que Dieu m'a protégé. Because God protected me. Avant qu'on disait de donner ma vie à Jésus. In time past, when they told me to give my life to Jesus, je disais ça c'est l'affaire des vieux. I used to say that this is the matter of old men. Comme moi, je suis jeune. That I am young. Je n'ai rien à voir dedans. I have nothing. C'est quand je vais vieillir. When I grow old. Et serai presque mort. And about to die. Que je vais donner ma vie à Jésus. That I will give my life to Jesus. Mais c'est quand je suis tombé malade. But it is when I fell sick. Gravement. Seriously. Et avant de tomber malade, before I fell sick, il y a mon grand frère, my elder brother, qui était allé voir les marabouts. Went to see the witch doctor. Il avait fait CM2 trois, quatre fois. He repeated class 6 about 4 times. Et il ne passait pas. And he could not pass. Mais il partait à l'église. But he went to church. Asseyez-vous d'abord. Et le marabout. On va se lever. Sit down first. And listen, and then after we get up. Quand il allait chez les marabouts. When he went to the witch doctor. Les marabouts ont dit que. The witch doctor said that. Toi, il y a un esprit qui te protège. You, there is a spirit that protects you. Mais il y a un petit frère noir qui te suit là. But then you have a young brother, a black complexion who follows you. Là, on parlait de moi.
And they were, this concerned me. They were talking about me. Que c'est lui. That he's the one. Les sorciers. The sorcerers. L'ont déjà attaché. They have already attached him. Parce que. Because. Il y avait un étudiant. There was a student. Qui était décédé dans nos villages. Who died in our village. L'étudiant avant de mourir. And that student before he died. Il était presque sorti professeur. He was about to become a teacher. Et il y avait fête d'Igname. And there was the Yam Festival. La fête d'Igname chez nous, les masques sortent. And during the les time masques of, dansent. During the time of Yam Festival in the village, avait, the masks get out and they dance. Il avait porté masque. So he put a mask, he put on a mask. Et puis il est tombé. And he fell. Et quand il est tombé, when he fell, quand ils l'ont détaché, when they removed the mask, il était agonisant. He was agonizing. Et on voulait l'envoyer à l'hôpital. And they want to send him to the hospital. Et il est décédé sur la route. And he died on the way. Les jeunes du village, the young men of the village, se sont révoltés. They revolted. Sont allés consulter. They went to consult. Les marabouts. The witch doctors. Et le marabout dit. And the witch doctor said, vous qui êtes venu consulter, you who came to consult me, le jeune qui est mort là, the young man who died, ses parents l'ont donné, his parents gave him, comme la viande de la fête d'Igname, as the meat of the Yam Festival. Mais vous qui êtes venu là, but you who came, chacun d'entre vous, each one of you, si quelqu'un, ses parents ont mangé aussi la viande de la fête. If one of your parents also ate the meat of the festival, Yam Festival, la personne, that person, sera aussi donnée. Will be also given. Donc, tous ceux qui étaient partis étant révoltés, so all those who went there being revolted, quand ils sont revenus au village, when they came back into the village, chacun réfléchissait sur son sort. Each one was thinking about his lot, his condition. C'est un an après que moi je suis tombé gravement malade. It's 1 year later that I fell seriously ill. Que quand nous sommes allés chez le marabout, and when we went to the witch doctor, le marabout dit que the witch doctor le said, jeune qui est décédé dans votre village là, the young man who died in your village, on veut tes parents ont mangé le jeune là aussi. Your parents also ate that young man. Mais ils veulent rembourser. Les gens sont venus encaisser le crédit de la viande du jeune. So people came to see the parents in order to pay the credit of that the meat of that young man. Mais comme dans votre famille, il y a pas d'étudiant. But as there's no student in your family, comme le jeune là, as the, this young man, le tu as été choisi. He has been chosen. Comme le poulet qu'on va mettre dans la sauce de ceux qui sont venus encaisser le crédit. As the chicken that they will put in the soup of those who came to ask them to pay back the credit. Donc c'est quand tes grands frères vont devenir grands que ils vont rembourser le crédit. Mais toi tu es comme un poulet pour refroidir le cœur de ceux qui sont venus encaisser le crédit. But when your elder brothers will become high-ranking men, then they will be used to pay back. But for the time being, you are the one who has been used to cool down the heart, to cool down those who came to ask for the credit to be paid back. Frère, j'ai souffert. Brethren, I suffered. Je déféquais avec les asticots. I used to defecate with maggots. Donc j'ai fui le village. So I fled from the village. C'est étant errant. So while I was wandering, que le Seigneur a permis, that the Lord allowed me, que quelqu'un me prêche l'évangile à la CMC. That somebody from CMFI preached the gospel to me. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, when I gave my life to Jesus, j'ai fait la vraie repentance. I carried out true repentance. On m'a baptisé. I was baptized. C'est à partir de là que commencer à me retrouver. It is from then on that I started to recover. Quand je déféquais,
When I defecated, c'était avec les asticots. There were maggots in quand it. J'ai fini la repentance, after the repentance, quand on m'a baptisé, when I was baptized, les asticots se sont arrêtés. The maggots stopped. Mais j'étais poursuivi toujours par les masques. But I was still pursued by the mask. J'étais poursuivi par les masques. I was still pursued by the mask. C'est quand on a fait le brisement des liens. It is after the breaking of evil ties que le Seigneur m'a délivré. That the Lord delivered me. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, so if you give your life to Jesus, tu n'es pas perdu. You are not lost. Amen. Amen. Lis pour nous Jérémie 3, 21 à 25. Read for us Jeremiah 3, reading verse from verse 21 to 25. Jérémie chapitre 3, versets 21 à 25. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voie. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici. Nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en toi, l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse. Leurs brebis, leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Relis le verset 21. Read verse 21 again. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. A voice was heard on the high places. Ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs. There were weepings. Les supplications des enfants. Les supplications. The supplications. Des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Of the children of Israel. What happened? Les gens se sont séparés de Dieu. People separated themselves from God. Pour aller solliciter le secours des idoles. To go and ask for the help of idols. Consulter les marabouts et les féticheurs. And consult fetish men and the witch doctors. Et après des années. And years after. Qu'est-ce qu'ils constatent? What do they notice? Qu'ils sont malheureux. That they are miserable. Qu'ils sont misérables. That they are miserable. Que leur argent est fini. That the money is over. Non seulement l'argent est fini. Not only the money is over. Même les animaux. Even the animals. Les ânes, les brebis. The donkeys and the sheep. Et pas seulement les animaux. Not only the animals. Les êtres humains. The human beings. Les idoles. Idols. La sorcellerie. Witchcraft. On vend les enfants. They sell the children. On dit sacrifie l'enfant. And they sacrifice the child. Sacrifie ton père. Sacrifice your father. C'est ça. Et donc, ils sont en train de pleurer. So they are weeping. Ils réalisent qu'ils sont tombés dans la folie. They realize that they fell in madness. Que Satan les a trompés. That Satan has deceived them. Des années. Years. Ils reviennent bredouilles. They come back empty-handed. Non seulement ils sont bredouilles. Not only they are empty-handed. Les animaux, les brebis sont partis. And the sheep has gone. L'argent has est gone. Parti. Money has gone. L'or est parti. Gold has gone. Les enfants que Dieu leur a donnés sont mangés. The children God gave them are eaten. Donc ils reviennent en pleurant. So they are coming back. C'est ce que le passage crying. Est en train de dire. This is what the passage is revealing. Reread verse 21. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car
Ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel. Ils ont oublié l'Éternel. They have forgotten the Lord. Leur Dieu. Continue. Revenez, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Dieu dit. God says. Revenez. Come back. J'ai pitié de vous. I have mercy on you. Je veux pardonner l'idolâtrie. I forgive idolatry. Revenez. Come back. Continue. Keep reading. Nous voici. Et ils répondent à Dieu. And they answer God. Nous allons à toi. Ils disent, oui, Seigneur, nous sommes là. Say, oh, yes, Lord, we are here. Nous revenons à we toi. We are coming to you. Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus. Dieu est bon. God is good. Tu as des enfants t'abandonnent quand ils reviennent. Toi, tu les aides même. The children abandon you when they come back. You yourself, you help them. Ils pleurent. They weep. Il a entendu leurs cris. He heard the cries. Ils pleurent. They were weeping. Et il dit bon. He said okay. Revenez. Come back. Revenez. Come back. Revenez. Come back. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. This is what we call the love of God. Continue. Continue. Car tu es l'Éternel notre Dieu. Ils disent à Dieu. They tell God. Nous sommes d'accord. We agree. Nous revenons. We are coming back. C'est toi notre vrai Dieu. You are Après, our ils ont déjà vu la méchanceté des idoles. They have already seen the wickedness of the idols. Ils n'ont plus besoin même de prédicateurs ou d'exhortateurs. They no longer need somebody to preach to them or to encourage ils, them. Ils sont chauds eux-mêmes. They are now hot themselves. Comme nous sommes chauds ce soir. As we are hot this evening. Comme nous allons le manifester par la prière tout à l'heure. And we are going to manifest it through prayer in a while. Redis, il dit, nous voici. Vas-y. Read it again. He said, here we are. Nous voici. Nous voici. Here we are. Oh, Père, nous oh, voici. Oh, Father, here we are. Nous sommes là. We are here. Vas-y. Nous Read. Allons à toi. Nous allons à toi. We are going to you. Car tu es l'Éternel, notre Dieu. Tu es l'Éternel, God, notre Dieu. You are the Lord, our God. Ils ont reconnu que les idoles ne sont rien. Tu es l'Éternel, notre Dieu. They have acknowledged that the idols are nothing. You are the Lord, our God. Continue. Continue. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Que les féticheurs, les marabouts, c'est le mensonge, ils nous ont trompés. Fetish men and witch doctors, this is lie, they have deceived us. L'adoration des idoles là, oh Père, nous reconnaissons que c'est le mensonge. The worship of the idols, oh Lord, we acknowledge that this is lie. Ce n'est plus Dieu qui les parle, mais eux-mêmes ils ont vu. It's no longer God who is speaking to them. Ils they themselves have seen, they have seen. Ils ont vu. They have seen it. Continue. Continue. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut. C'est en toi qu'on est sauvé. They tell God that it is in you that we find salvation. Nous nous sommes trompés. We have been deceived. En allant invoquer les idoles. By going to call upon the idols. Continue. Continue. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Vous comprenez? You understand? Ils disent à Dieu que they tell God nous sommes allés adorer les idoles. We went to worship the idols. Tout ce que nos pères ont travaillé, oh. tout ce qu'ils ont amassé comme richesse, les idoles l'ont tout mangé. Tout. All that our fathers have gathered as riches after working, the idols have eaten all. L'idolâtrie et la pauvreté sont mariées. Idolatry and poverty are married. Essayez de voir, quand on dit qu'il y a des grands sorciers dans un village, voyez les cases de ce village-là. When we stand, they say that there are great sorcerers in a village. Try to see the hearts in those villages. Pauvres. Poor. Là où, quand la sorcellerie a réussi, là, when, les gens sont pauvres. When witchcraft has succeeded, people are poor. Oppressés. Oppressed. Vous voyez un petit enfant. You see a young man. Il va déféquer les asticots déjà. He goes. C'est le poulet pour calmer le cœur de ceux qui sont venus demander le remboursement du crédit. And he goes to defecate and it is the maggots. This is the chicken to cool down those who came to ask for the reimbursement of the credit. Continue. Dès notre jeunesse. Dès notre jeunesse. From our youth. Leurs brebis et leurs bœufs. Leurs brebis. Leurs bœufs, their sheep and their cows. Leurs fils et leurs filles. Leurs fils et leurs filles les. Quand vous entendez qu'on a tué les gens là, ce n'est pas faux.
When you hear that they have killed some people, it's not false. Les dieux païens, les dieux des païens demandent des sacrifices humains. The gods of the unbelievers, they ask for human sacrifices. Donne ton père, donne ta mère, donne ton ami. Give your mother, prends la photo de telle personne. Take the photograph of such a person. Va voler le pain. Viens avec son pain. The loin clothes, come. Viens take avec his shoes and come with finalement, him. And finally, les gens sont bloqués. People are blocked. Pauvres, poor, depressive. Voilà le travail des idoles. Here is the work of the idols. Jésus a dit. Jesus said, le voleur, the thief, ne vient que pour voler, pour dérober. Only come to steal. Il ne vient que pour dérober. He only come to steal. Quelqu'un qui te dit le python va te garder, le python peut garder quelqu'un. Le python suce tes bénédictions. Somebody who tells ça remplit son ventre. Somebody who tells you that the python is going to keep you. Can the python keep somebody? He's just there to suck your blessings and it fills his belly. Dès qu'un enfant a un diplôme, il prend. As soon as a child has a certificate, a degree, they take it and put it in the belly of the python. Et les gens sont là, le chômage misérable. And people are there, joblessness and miserable. Et ils ont des policiers, des pasteurs païens qui encouragent les gens. Il ne faut pas oublier les coutumes. Hein. Faut pas oublier les coutumes. Hein. And they have pagan pastors who are there to encourage people. Do not forget about your customs, your traditions. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous oublions les coutumes. We forget the customs. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous oublions les traditions. We forget about the traditions. Dis Seigneur. Say Lord. Qu'on n'entende plus dans mon village que les sorciers ont tué quelqu'un, ils ont mangé. Let it not be heard in my village anymore that the sorcerers have killed somebody and eaten. Lève-toi maintenant. Stand up now. Dis au Père. Say, oh Father. Envoie la lumière. Send light. Envoie la lumière. Send light. Envoie la parole. Send the word. Envoie ta lumière. Send your light. Envoie ta parole. Send your word. Envoie ta lumière. Send your light. Envoie ta parole. Send your word. Envoie ta lumière. Send your light. Envoie ta parole. Send your word. Continue. Keep praying. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Pendant qu'on intercède, while we are interceding, personne ne doit quitter pour aller à la délivrance. No one should not move from here to the deliverance team. Parce que ils empêchent les ministres de délivrance de prier. Pendant l'intercession, tout le monde doit être ici. Because they prevent the ministers of deliverance to pray. Les gens ne doivent pas se promener. Vous avez écouté le témoignage du jeune homme là. Les gens ne doivent pas se promener derrière là-bas. During the prayer time, everybody should be here and people should not be roaming in wandering in the back there. Si les démons ont commencé à se manifester, laisse-les jusqu'à ce que ce qu'ils veulent faire là soit visible. If the demons start manifesting, leave them until whatever they want to do be visible. Et quand on commence les délivrances maintenant, and when we start deliverances now, vous pouvez aller de l'autre côté. You can go to the other side. Si vous négligez l'intercession, if you neglect intercession, d'abord c'est l'intercession qui provoque les manifestations. First of all, it's intercession that provokes. C'est l'intercession qui bombarde les bases et commence à trembler. It is the intercession that bombards their bases and then they start shaking. Et l'intercession, c'est chacun qui est engagé dedans. And intercession, it is each one who is committed in it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? À moins deux jours ou trois jours, on ne doit plus s'amuser. We have. One or two days left, we must not joke anymore. J'ai abrégé les témoignages pour qu'on ait assez de temps pour prier. Vous avez vu vous-même. I
I cut the testimony short so that we get time, more time to pray. Quand les prières sont abondantes, when prayers are abundant, Dieu travaille même après la croisade. God works even after the crusade. Je dis ça parce que j'ai vu, on vient de commencer l'intercession, j'ai vu quelqu'un quitter là pour aller là-bas. Qui l'a d'abord fait quoi? I said that because as soon as we started the intercession, I saw somebody leaving from there to go there. Why? Soyez concentrés. Be concentrated, be focused. Comité d'organisation, tous ceux qui sont debout là-bas, là, qu'ils viennent. Organization committee, all those who are standing there, let them come. Il y a des moments où moi-même je peux dire, dispersez-vous en priant, mais là, 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 là. Pas de dispersion. At times, I can say, okay, you can be scattered while praying, but at this moment, no scattering. Prions de telle sorte que les coupes sont remplies. Let us pray in such a way that the cups be filled. Vous allez voir. You will see. Après cette croisade. After this crusade. Même si tu es seul. Even if you are alone. Tu auras des signes, you have signs de la présence de Dieu dans ta vie, of the presence of God in your life. Ne prie pas sans fardeau. Do not pray without burden. Vous voyez, jeune homme. You see, a young man. On dit, c'est le poulet. Le they said it is the chicken, the chicken. Et il partait déjà. And he was going. Il y a des gens pauvres ici, là, pauvres, parce que les marabouts ont tout pris. There are some people here who are poor just because the witch doctors have stolen everything. Des sacrifices de moutons, de bœufs, de poulets. Sacrifices of chickens, of sheep and cows. L'évangile. The gospel. Est absent au village. Is missing in the village. L'évangile doit arriver là-bas. The gospel must reach there. Si l'évangile arrive. If the gospel gets there et convertit les gens, and converts people, on verra qui va manger la chair humaine. We'll see who is going to eat human flesh. Dis, oh Père, say, oh Father, que ta lumière pénètre mon village. Let your light penetrate my village. Que ta parole pénètre mon village. Let your word penetrate my village. Continue à prier deux choses, la lumière et la parole. La lumière, la parole. You pray on two things, the light and the word. The light and the word. Urubaka shaka baraka shaka baka. Urubaka shaka baraka baka shaka baraka baka. Urubaka shaka. Oh Père, que ta lumière pénètre. Que ta parole pénètre. Que ta lumière pénètre. Que ta parole pénètre, que ta lumière pénètre, que ta parole pénètre. Gloria kabaka sekarabaka, urabaka 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 sekarabaka. Urubaka sebaka seka rabaka seka urabaka seka urabaka seka urabaka seka urabaka 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 urabaka. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, when God sent Moses in Egypt, il y a eu là-bas un homme appelé Pharaon. There was a man there called Pharaoh. Qui s'opposait physiquement. Who was physically opposed. Il y a aussi dans ta famille. Who physically opposed. There's also in your family. Quelqu'un qui joue le rôle de Pharaon. Somebody who plays the role of Pharaoh. Qui peut lutter avec ceux qui veulent venir who avec la lumière. Fight against all those who wants to bring the light. Pharaon n'est pas le diable. Pharaoh is not a devil. Mais c'est un être humain qui sert le diable. But he is a human being that serves the devil.
qui peut tuer les gens. Who can kill people. Un être humain que le diable utilise. A human being used by the devil. Il peut être violent. He can be violent. Que tu donnes ta vie à Jésus, il te poursuit avec les flèches et la machette. That if you give your life to Jesus, he pursue you with cutlasses and arrows. Qu'est-ce que Dieu a fait à Pharaon? What did God do to Pharaoh? Il a humilié Pharaon. God humiliated Pharaoh. Il a rabaissé Pharaon. He brought him low. Il a dit, je ne te tue pas, je veux que tu vois ma gloire. He told him, I will not kill you, but I want you to see my glory. Prie que ce Pharaon-là, pray that Pharaoh, se convertisse. Be converted. Qu'il se mette à genoux devant Jésus. And that he kneels before Jesus. Qu'il quitte le chemin. That he leaves the way. Des enfants de Dieu. Of the children of God. Des envoyés de Dieu. Of the envoyees of God. De telle sorte que si sans tête, c'est Dieu qui va faire le reste. So that, le reste ne nous regarde pas. So that if he is stubborn, it's God who will take care of him, and we are not concerned about the rest. Dieu saura. S'il se révolte, s'il continue à endurcir son cœur, Dieu va résoudre son problème. If he keeps hardening his heart, God will solve his problem. Mais toi, but you, demande que la parole pénètre. Pray that the word penetrates. Et que ce pharaon-là, and that Pharaoh, ne soit pas en mesure de barrer la route. Will not be able to stand in the way. Let us pray together. Dieu Père, envoie tes disciples. Envoie tes disciples. Envoie tes disciples. Que les barrières soient brisées. Que les portes soient cassées. Let the gates be broken. Que les verrous de fer soient cassés, brisés. Let the bars of iron be broken. Que les portes d'airain soient brisées. Let the gates of bronze be burned. Continue à prier. Keep praying. Dieu Père, oh Father, que tes évangélistes pénètrent dans le village. Let your evangelists penetrate the village. Que les vrais pasteurs entrent dans le village. Let true pastors enter the village. Oh, que les vrais évangélistes, les vrais prophètes entrent au village. Let true evangelists and prophets enter the village. Oh, que les vrais apôtres entrent dans ce village. Let true apostles get into the village. Avec la parole de vérité. With the word of truth. Et l'évangile. And the gospel. De notre Seigneur Jésus Christ. Of our Lord Jesus. Continue à prier. Keep praying. Dieu, au nom de Jésus, que tout obstacle soit brisé. Que tout obstacle soit brisé. Que tout obstacle soit brisé. Que toute barrière soit brisée. Brisée. Que l'évangile pénètre. Que l'évangile pénètre. Que l'évangile progresse. Que l'évangile prospère. Que l'évangile porte du fruit. Que l'évangile porte du fruit. Que des conversions massives se produisent. Des vraies conversions. Des vraies conversions. Des vraies conversions. Des vraies conversions. Continue à prier. Keep praying. Urga bagajir baga, 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 urga bagajir baga,
Dios Père, say, oh Father, que ceux qui avaient cru, let those who had believed, et qui ont retrogradé, and who backslid, reviennent, come back, 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 continue à prier, keep praying, ora baka jor baka go baka jor baka go baka jor baka ora baka jor baka go baka jor baka ora baka jor baka go baka jor baka ora baka shikara baka sabaka ora baka sekara baka saka ora baka sakara baka saka ora baka sakara baka saka Urabakasaka, Dieu Père, say, oh Father, tu as dit dans ta parole, you said in your word, que l'évangile that the gospel est une puissance de Dieu power of God, pour le salut de quiconque for the toi. Salvation of anybody Dieu that believes. Père, say, oh Father, que l'évangile let the gospel détruise les coutumes, destroy the customs, que l'évangile let the gospel détruise les traditions, destroy the tradition, que l'évangile let the gospel détruise les coutumes, destroy the customs, que l'évangile let the gospel détruise les traditions, destroy the tradition. Continue à prier. Keep praying. Ora baka zeri baka go zeri baka. Que l'évangile détruit les coutumes, brise les traditions, détruit les coutumes, détruit les traditions, détruit les coutumes, détruit les traditions, détruit les coutumes, détruit les traditions. Dieu Père, oh Father, qu'il y ait des conversions radicales, let there be radical conversions, avec l'abandon des coutumes, with the abandoning of et l'abandon des traditions, the abandoning of avec l'abandon des coutumes, abandoning of l'abandon customs, des traditions. Continue à prier. Keep praying. Kare kajeka, uta reba kere kasa kere kasa ke reta kala masedeka, ura bakaseta ribaka, ura bakasedeka rakabala, ura bakasedeka raba, ura bakasedeka rabaka, ura bakasedeka ramaka. Urabakaseka, 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 Bata Ramasene, Urabakaseka, Urabakaseka, Urabakaseka. Dieu Père, say, oh Father, révèle le Fils, reveal the Son, révèle le Fils, reveal the Son, révèle le Fils, reveal the Son. Continue à prier. Keep praying. Urabakasaraba kasabaka. Dieu Père, say, oh Father, que les idoles soient brûlées, let idols be burnt, jetées, brûlées, burnt, cast les masques, out, cast les masques, away, les masques, brûlées, burnt, les commiants abandonnés, détruits, brûlés, the commiants abandoned and burnt, tous les commiants, les commiants, les all masques, the commiants, the masks, les vaudous, les vaudous, les tétépans, les gaulis, au nom de Jésus, goalies, abandonnés, brisés, détruits. Abandon, le poro brisé, détruit. Abandon, au nom de Jésus, tous les dieux, tous les faux dieux, all the les faux dieux, jugés,
les faux dieux, jugez, les faux dieux, jugez, les faux dieux, jugez, achetez, abandonnez. Dis au Père, que les faux dieux soient jetés, que les faux dieux soient jetés, que les faux dieux soient brûlés, jetés, brûlés, que les familles soient libres, que la peur, la terreur, soient bannies. Soit banni. Que les regards soient sur Jésus. Tous les regards sur Jésus. Tous les regards sur Jésus. Tous les cœurs à Jésus. Tous les regards sur Jésus. Tous les cœurs à Jésus. Tous les cœurs à Jésus. Et au nom de Jésus, que tous les faux dieux soient jetés. Jetés. Les maris de nuit, jetés. Les maris de nuit, jetés. Tous les esprits des eaux, jetés. Jetés. Chassés. Jetés. Chassés. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Uriaba kasabara, 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 kasabara. Urabaka sabara kasabara kasabara urabaka sabara kasabara kasabara urabaka sabara kasabara kasabara urabaka sabara kasabara urabaka sabara. Dis au nom de Jésus, in the name of Jesus, que le culte des morts, let the worship soit of the jugé, dead, chassé de la famille, cast out of the family, que les crânes, let the jugé, skulls, chassé de la famille, jugged and cast out of the family. Chacun cite le Dieu qui est celui, each one will tu le chasses, the God, même si the God of his family, chasse-les. Cast them out. Si tu ne connais pas le nom, even if you don't know tu their dis, je sais que vous existez. Say, I know you exist. Je vous chasse. I cast you et away. Je libère la famille. And I release the family. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Je dis, je libère la famille. Say, I set the family free. Dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, je déclare I declare que c'est Jésus that is qui est le chemin, who is the way, la vérité the truth, et la vie. And the life. Je déclare, I declare que tout genou doit fléchir devant Jésus. C'est lui le vrai Dieu. Jesus, tous les autres, dehors, dehors. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. Continue à prier. Tu peux t'asseoir. You can be seated. Gardez le calme. Remain calm. Lève ta main droite. Raise your right hand.
Dis d'un commun accord. C'est in one accord. Nous renversons tous les lieux d'adoration. We pull down all the places of worship. Nous renversons tous les lieux d'adoration. We overthrow all the places of worship. Dieu, nous proclamons le règne de Jésus-Christ. Say, we proclaim the reign of Jesus. Dis, c'est Jésus qui est Seigneur. Say, it is Jesus. C'est Jésus qui est roi. It's Jesus who is c'est king. Jésus qui est Seigneur. It's Jesus who is Lord. Jésus qui est roi. It's Jesus who is c'est king. Jésus qui est Dieu, le it's véritable. Jesus who is good, is God, the real God. Tu gardes le calme. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous sommes les enfants de la lumière. We are the children of light. Nous sommes la lumière du monde. We are the light of the world. Nous sommes le sel de la terre. We are the salt of the earth. Nous condamnons toutes les alliances. We condemn all the covenants. Entre nos parents, between our parents, et les démons, and the demons, et les génies, and the genies, et les esprits des morts, and the spirit of death, nous condamnons toutes ces alliances. We condemn all those covenants. Nous jugeons ces alliances. We judge those covenants. Ce sont les mensonges. These are lies. Nous déchirons ce qu'on doit déchirer. We tear that which is to be torn. Nous effaçons ce qui doit être effacé. We clean that which is to be cleaned. Nous bannissons les promesses. We ban the promises. Toutes les paroles prononcées par les ancêtres. All the words uttered by the ancestors. Pour confier la famille aux démons. To entrust the family to demons. Nous annulons ces alliances. We cancel. Nous chassons tous les démons. We cast away all the demons. Qui sont derrière ces alliances? Which are behind these covenants? Prions en langue. Let us pray in tongues. Kora bakasharga 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 bakasharga. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous brisons le lien de la pauvreté. We break the tie of poverty. Priez pour ça avec violence. Pray with this fervently. Beaucoup de projets échouent, pas parce qu'on n'est pas intelligent. Many projects fail. Écoutez. Many projects fail. Listen, listen. Écoutez d'abord. Listen first. Listen, listen first. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Beaucoup de projets échouent. Many projects fail. Parce qu'il y a des alliances iniques. Because there are evil covenants. Qui gardent les familles dans la pauvreté. That keep families in poverty. Vous avez vu le nombre. Nous sommes à la 16e édition. You see, this is the 16th edition. Les miracles. Miracles. S'opère partout, les serpents ont été tués, éventrés, chassés, les richesses libérées. Performed wherever the snakes have been killed, divided, and riches have been released. Tu vas au Bénin, tu trouves les mêmes coutumes. Tu vas au Togo, tu vas au Cameroun, tu vas au Gabon. Tu te demandes où ils apprennent ça, dans quelle école? When you go to Benin, Cameroon, Togo, everywhere, you find the same idols, customs. You ask yourself, where do I learn this? Il y a de là. Nous allons briser le joug de la pauvreté. We will break the yoke of poverty. C'est ça qui fait qu'on échoue aux examens. This is the cause of the failure at the exam. Quatre fois, cinq fois, quelqu'un échoue, même examen.
The same exam, somebody will fail four times, three times, une four times. Une fois, on peut comprendre. One time, we can understand. Deux fois. Twice. Trois fois, checking, quatre fois, cinq three, fois. But three times, four times. Même examen. The same exam. C'est la pauvreté. This is poverty. Tu veux faire le commerce. You want to do business. L'argent se perd. You lose the money. Tu n'es même pas sûr de toi-même. You are no longer sure of yourself. La pauvreté fait qu'on se c'est comme si on était soi-même l'échec. The poverty will cause you to think that if you yourself is failure, you yourself are failure. L'origine, the origin, c'est dans les coutumes, is in the customs et les traditions, and traditions. Il dit, les idoles ont volé tous les biens de nos parents. The idols have stolen all the wealth of our parents. Leurs brebis, leurs bœufs, the sheep, the cows, leur argent, leur or, their money, their gold. Et plus loin, and favor, leurs fils et leurs filles. Favor, their sons and their daughters. Qu'est-ce que l'idole fait avec ta vie? What is the idol doing with your life? Dieu t'appelle. God calls pour you l'adorer éternellement. To worship him. L'idole t'amène où? Forever. And where? What is the idol doing in your life? Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous nous levons contre la pauvreté. We rise up against poverty. Et tout son mystère. And all its mystery. Nous brisons le lien de la pauvreté. We break the yoke of poverty. Dans chaque enfant de Dieu. In the life of each child of God. In each life. Et dans chaque famille. And in each family. Nous brisons le jour. We break the yoke. Cassons le lien de la pauvreté. We break the ties of poverty. Dans chaque famille. In each family. Continue à prier. Keep praying. Lève ta main droite. Raise your right hand. Tiens-toi debout. Stand up, please. Nous allons nous lever contre we are going to rise up against le joug de la maladie. The yoke of sickness. Le joug de la maladie. The yoke of sickness. Le joug de la maladie. The yoke of sickness. Il y en a qui lancent le sort. There are some people who cast a spell. Ils lancent le sort. They cast a spell. Il y en a qui envoûtent. Some bewitch. Il y en a qui viennent même pendant que tu dors, ils viennent pour te tuer. Some even come while you are sleeping to they come to kill you. Ils tendent les pièges. And they set traps. He rode. And they roam around. La maladie. The sickness. Di maladie, tu as les oreilles. The sickness, you have ears. Nos corps. Our bodies appartiennent à Jésus. Belong to Jesus. Nos corps. Our bodies sont consacrés à Jésus. Are consecrated to Jesus. Nos corps, our bodies, sont consacrés à Jésus. Are consecrated to Jesus. Dis-nous emballons chaque maladie. Say we wrap up each disease. Nous jetons dans les abîmes. And we cast into the abyss. Nous sanctifions les corps. We sanctify the bodies. En enlevant les maladies. By removing diseases. Nous enlevons les maladies. We remove sicknesses. De chaque corps. From each body. Nous enlevons la maladie. We remove
the disease, par la puissance de Christ, by the power of Christ, par la puissance de la croix, by the power of the cross, nous enlevons toute maladie, we remove every disease, nous arrachons toute maladie, we snatch every sickness, nous la séparons de chaque corps, we separate it from each body, et nous jetons dans les abîmes, and we cast into the abyss, les abîmes de maladie, in the abyss of diseases, les abîmes de maladie, in the abyss of diseases, nous nettoyons chaque corps, we clean each body, nous nettoyons chaque corps, we clean each body. Maladie, disease, va-t'en, because, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, maladie, sickness, va-t'en, depart, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, dis maladie, sickness, va-t'en, because, continue à juger, keep judging. Kondokoro gaseka, kondokoro baseka, kondokoro woro bakaseka, reka bana kere balta, yete koto heke, au nom de Jésus-Christ, nous chassons toute maladie, va-t'en, depart. Pose la main là où tu as mal. Lay your hand. Pose la main là où tu as mal. Where you feel the pain. Ou bien pose les mains sur ta tête. Lay your hand. Ou where you feel the pain. Sur ta tête. Or you lay your dis hand. Maladie. Va-t'en. Maladie. Va-t'en. 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 Et toi, démon. And you, demon. Derrière la maladie. Behind the disease. Va-t'en. Va-t'en. Become. Et toi, esprit de mort. And you, spirit of death. Derrière la maladie. Behind the disease. Va-t'en. Become. Va-t'en. Become. Va-t'en. Become. Va-t'en. Become. Et nous brisons tout envoûtement. We break every nous cassons l'envoûtement. 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 Nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. Continue à prier. Keep praying. Dis-toi la mort. C'est you, death. Va-t'en. Depart. Et tous tes symptômes. And all your symptoms. Mort. Death. Va-t'en. Depart. Esprit de mort. Spirit of death. Va-t'en. Depart. Continue à prier. Keep praying. Va-t'en, 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 va-t'en. Va. Depart. Va. Depart. Va. Depart. Va. Depart. Tu n'as pas de place ici. You don't have a place here. Tu n'as pas de place ici. You have no place here. Tu n'as pas de place dans la vie. You have no place here. Va-t'en. Become. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Assieds-toi. Be seated, please. Assieds-toi, tu gardes le calme. Be seated and remain calm. Tu reçois ta guérison par la foi. You receive your healing by faith. Le Seigneur peut t'opérer. The Lord can operate. Enlever la maladie. And remove the sickness. Pendant que tu es assis là. While you are sitting there. Pendant que tu es assis là. While you are sitting there.
Reste concentré. Remain focused. Les regards sur Jésus. Your eyes on Jesus. Les regards sur Jésus. Your gaze on Jesus. Il pose sa main sur toi. He lays his hand upon you. Le Seigneur peut décider de mettre fin aux hémorroïdes ce soir. The Lord can decide to put an end to hemorrhoids this evening. Et te délivre. And deliver you. Et te délivre. He delivers you. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Depart in the name of Jesus. Oro bakasharga 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 bakasharga. Dis maladie. Say sickness. Même si on t'a envoyé. Even though you have been sent. Avec des sacrifices. With sacrifices. Le sang. Blood. De l'animal. Même si on t'a envoyé. If you have been sent. Avec des sommes d'argent. With sums of money. Va-t'en! Be gone! Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Sida. AIDS. Va-t'en. Depart. Jésus t'a vaincu. Jesus has overcome. Disparaît. You. Disappear. Jésus t'a vaincu. Jesus has overcome you. Et avec tous tes symptômes. With all your symptoms. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Depart, depart, depart. Du cancer. C'est cancer. Va-t'en. Depart. Prions Allah. Let us pray in tongues. Du diabète. C'est diabetes. Va-t'en. Depart. Jésus t'a vaincu à la croix. Jesus overcame you on the cross. Va-t'en. Be gone. Avec tous tes symptômes. With all your symptoms. Continue à prier. Keep praying. Koro bakasa karabaka sakabaka arabaka sa arabaka sa bakasa arabaka arabaka sa arabaka sa bakasa arabaka arabaka sa arabaka sa insuffisant rénal. C'est renal failure. Va-t'en, disparaît. Va, disappear. Hypertension, va-t'en, disparaît. Hypertension, be gone, disappear. Des maux de tête chroniques. Chronic headaches. Maux de tête chroniques. Chronic headaches. Va-t'en. Depart. Partez. Begone. Et ne revenez plus. And no longer come. Épilepsie. Epilepsia. Épilepsie. Epilepsia. Épilepsie. Epilepsia. Tu es frappé, jugé. You are struck. Va. And ne reviens go. Plus jamais. No longer come. Va-t'en. Begone. Et ne reviens plus jamais. No longer come. Continue à prier. Keep praying. Regarde,
Tu es hépatite. C'est hépatite. Tu es jugé. Va-t'en. Ulcère. Va-t'en. Hernie. Disparaît. Fibrome. Disparaît. Nous t'arrachons. Nous vous arrachons. Nous jetons dans les abîmes. Nous jetons dans les abîmes des maladies. Miome. Nous vous raclons. Nous vous jetons dans les abîmes. Trompe bouchée. Ouvrez-vous. Au nom de Jésus. Ouvrez-vous. Trompe droite. Ouvre-toi. Trompe gauche. Ouvre-toi. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. In the name of Jesus. Mot d'articulation. Partez. Nous libérons chaque dos. We release each back. Tout mal de dos. Every backache. Va. Go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Toute maladie de la peau. Every disease of the skin. Toute personne qui a mal à la peau. Every person qui a les gales, la teint. Who has ou les ulcères, les pustules. Partez. Go. Que la peau soit purifiée. Let the purifier, skin purifier, be purified. Purifier, let the skin be purified. Purifier. Toute personne. Every person. Qui a une perte de sang. Who reçoit ta délivrance. Blood loss. Reçoit ta délivrance. Receive your reçoit ta délivrance. Receive your deliverance. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Perte de sang. Loss of tu blood. Tu es guéri. Loss of blood. Ménopause précoce. Ménopause précoce. Tu es délivré. Que tes menstrues reviennent. Que tes menstrues reviennent. Que tes menstrues reviennent. Et les maladies du cœur. Partez. Nous délivrons chaque cœur. Nous délivrons les poumons. De toutes les maladies des poumons. All the diseases of the lungs. Nous délivrons chaque fois. We deliver each liver. Toutes les maladies du foie. From all the diseases of the liver. Maladies du foie. Whatever nous délivrons le sang. We deliver the blood. Nous jugeons les maladies du sang. Nous jugeons le cancer du sang. The cancer of blood. Nous jugeons le cancer du sang. Judge the blood cancer. Au nom de Jésus-Christ. Nous jugeons les mains d'oreille. We judge the pains nous commandons à l'oreille droite. Ouvre-toi. We command nous commandons à l'oreille gauche. Ouvre-toi. Left ear, be et open. Et ceux qui ne voient pas. Those who don't see. Si tu ne vois pas. If you don't see. Tu vois. You see. Tu vois. You see. Tu vois. You see. Ouvre tes yeux et regarde. Open your eyes and look. Ouvre tes yeux et regarde. Open your eyes and look. Ouvre tes yeux et regarde. Open your eyes and regarde. Look. Regarde et vois. Look. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Regarde et vois. Nous déracinons. We snatch. Nous enlevons les écailles. We root out the scales. Jetez sur tes yeux. Nous enlevons toutes les écailles. We remove all the scales. Jetez sur tes yeux. On the eyes. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Gardez le calme. Remain calm. Tu fais des gestes que tu ne pouvais pas faire. Do the gestures you couldn't do. Si tu ne pouvais pas marcher, tu te lèves, tu marches. If you couldn't walk, you rise up and walk.
Si ton cou était bloqué, tu regardes à gauche et à droite. Was blocked, and you could not move left or right. Si c'est ton dos, tu te lèves. If it is your back, you stand up and do this. Si tu as un témoignage, tu viens. If you have a testimony, you come. Avant d'attaquer la deuxième partie de la prière, venez d'abord en témoignage. Before we tackle the second part of the prayer, first of all, come and testify. Voilà Dieu. Le Seigneur vient de me guérir tout de suite. Tout à l'heure, avant que la rencontre commence, il y a eu un mal de ventre subi. Je n'ai même pas vu les semeurs chanter. Je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu ici, avant la prière, j'ai même pris le papier génie, j'ai mis dans ma poche. Je voulais encore repartir. Quand le pasteur a parlé, j'ai prié dans mon cœur que, oh Seigneur, fais en sorte que ce mal-là finisse. Et je suis resté. Le mal est fini totalement. Jusqu'à présent, je ne sens plus rien dans mon ventre. Alléluia! Offrons l'acclamation à Jésus-Christ. Clap guéri. To Jesus. Non, laissez-la, laissez-la. Leave her, leave her. Laissez-la. Leave her. Jésus-Christ, Jesus, que les pas s'affermissent. Jésus-Christ, Jesus, Jésus-Christ, Jesus. Oui, continuez, ne la regardez pas comme des spectateurs. Continue. Acclamation. Clap of free. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamation. Si tu veux marcher, marche aussi. Clap of free. If you can walk, walk. Acclamation. Clap of free. Jésus Christ. Jesus. Jésus Christ. Jesus. Fais des merveilles. It's wonders. Lève-toi et marche. Stand up and walk. Lève-toi et marche. Stand up and walk. Jésus Christ. Jesus Christ. Oui. Gloire yes. À Dieu. Je suis la sœur Kwaku Rosalie. J'ai pour faisait de disciples la sœur Babosa Suzanne. Aujourd'hui, le Seigneur est descendu. J'ai vu le ciel ouvert et une échelle est descendue. Et il y a un chat avec des militaires, beaucoup de militaires, qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a des flèches qui partaient directement piquer les maladies. Piquer les maladies. Et les chats écrasaient les maladies.
il y a beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons. Je dis merci à Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamation suivante. La offering less. Gloire à Dieu. Et moi, c'est la sœur Clarisse Kouassi. Mon frère, c'est l'ancien Douassaï. Gloire à Dieu. Frère, le Seigneur vient d'achever ma guérison. Frère, pendant que nous prions, le Seigneur, j'ai vu deux mains sur mon genou ici. Ils ont enlevé deux fers dedans. Je vais bénir le Saint-Seigneur au nom de Jésus. Amen. Viens d'abord. First come. Est-ce que tu avais mal au genou? Did you have a pain Alleluia. In your knee? Oui, papa. J'avais mal au genou, tout mon pied. Je sentais même qu'il y a, fer dedans. Est-ce que ça fait encore mal? Non, ça ne fait plus mal. Voyez voilà, c'est bon. Il faut bien rendre témoignage. So you must give acclamation. Clap of Jésus a enlevé le fer au genou. Oui, acclamez, la voilà qui marche. Yes, clap. Jésus there Christ. She is walking, Jesus. C'est Madame Kofi qui m'a invité. Il m'a invité, ma première invitation, c'était un dimanche passé. Quand je suis venue voir ce que Dieu a fait pour moi. Mais deuxième, où papa dit on n'est qu'à prier. Ok, où papa dit on n'est qu'à prier. On attend de prier. Mais j'y étais fermée. En priant, maintenant je vois une mamie qui est sur au feu. La mamie, c'est comme ce gnam qui est dedans. Et puis il y a un serpent qui est autour de la mamie. De manière qu'il y a feu en bas de mamie là. Mais c'est gnam qui est dedans. Et puis si la fermeté, c'est serpent qui est autour de gnam là. Après maintenant, où je continue à prier, Et puis la personne est venue, il a versé la mamie. En tout cas, il dit merci à Dieu suivant. Cette délivrance qu'il m'a donnée. Suivant, suivant. Next, next. Gloire à Dieu, il m'a fait un dessin Kwame. Mon faisant de tissu, c'est mémé de Malika. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré de la sorcellerie. Quand on priait, Pasteur Meunier dit que ça nous fait mal. Quand j'ai mis la douleur disparaît, nom de Jésus-Christ. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Zoko Tatiana. Je veux dire merci au Seigneur parce que quand je venais à Tiekwa, j'avais très mal au dos depuis Abidjan, ça a commencé. Et tout à l'heure, quand on a fini de prier, le pasteur dit encore s'est levé. Je peux m'abaisser, je peux faire comme ça. La douleur a complètement disparu. Je veux bénir le Seigneur au nom de Christ. Amen. Oui, acclamez Jésus-Christ. Yes, clap for Jesus. Gloire à Jésus. Je suis Madame Bolou, épouse Gobi. Jésus est descendu ce soir. Alléluia. J'ai entendu sa voix clairement. Quand les semaines chantaient, le ciel était menaçant. Et la sœur Carole a pris la parole pour dire que papa avait dit qu'il n'allait pas pleuvoir. Qu'il ne va pas pleuvoir ce soir. Il est le même Dieu d'hier, c'est lui aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'étais assise. Papa donnait des sujets en prière. Et puis, il y a quelqu'un qui chuchotait dans mes oreilles. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Jésus. Dis merci, Jésus. Je suis au milieu. Je suis au milieu. Je suis au milieu. Je vous guéris. Je vous guéris. Je vous guéris. Au nom de Jésus. Acclamation. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Coco Christine. Mon faisant et disciple, c'est maman Colette. Le Seigneur est vraiment descendu. Et lorsque papa a donné le premier sujet de prière, que de prier pour jeter les maladies dans les abîmes, j'ai vu en vision un gros trou noir s'ouvrir. Le gros trou noir est encore ouvert parce que les anges sont toujours en train de guérir. Et j'ai vu les maladies, c'était comme si des manteaux, on venait arracher les manteaux, on changeait les pieds. Et j'ai vu en vision que tous ceux qui avaient les maladies comme le sida, parce qu'il y avait le sang qui était...
qui était en train d'être remplacé. Si tu as le sida, demain va faire ton test. Ça va sortir négatif. Parce que les anges sont encore en train de travailler. Parce que l'abîme est toujours ouvert. Le Seigneur dit travaille. Pendant qu'on rend témoignage, restez concentrés. Les anges continuent de travailler. Amen. Gloire à Dieu. Je me tiens là, je m'appelle Ngoram Mélanie. J'ai des disciples, c'est pasteur Jacques Kwasi. Il faut dire que ça fait un an que je traîne ce genou. J'ai fait tous les médicaments, plein comme un digénal, mais ça ne va pas. Tout à l'heure, quand je venais, je ne pouvais pas marcher sans bois. Mais quand le pasteur a prié, il a dit tous ceux qui ont mal de genou, on arrache la maladie. Et quand les gens ont commencé à marcher, moi, j'ai pris la foi et je me suis marché sans voix. Donc, je suis là pour... Je sais que Dieu m'a guéri. Il m'a délivré. Donc, je suis là pour lui dire merci. Merci, Seigneur. Toi qui guéris. Toi qui guéris nos âmes. Merci beaucoup. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Mambo Chiadon Israëla. Mon faisant de disciple, c'est Moni Bipo. Je voulais dire merci à Dieu qui m'a guéri de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je rends gloire à Dieu. Moi, c'est Serge. Le frère Kwame Serge. Mon faisant de disciple, c'est le frère Kwakubi Richard. Je viens de Benoît. Ce soir, Dieu vient de me délivré de l'hémorroïde. Il faut dire que depuis tout longtemps, depuis tout petit, j'avais l'hémorroïde. Et ce soir, Dieu vient de me délivrer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Madoché. Mon frère est ici, c'est le pasteur Gambichu. Tout à l'heure, Dieu m'a délivré de la toux et du rhume. Je voulais lui dire merci. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Georgina. J'ai pour faisant des disciples maman Franciline d'Azopé. J'aimerais bénir le nom du Seigneur, lui qui m'a délivré de la sorcellerie. Pendant que j'étais assis, mon ventre me faisait trop mal. Je ne pouvais même pas bouger. Quand je voyais les gens, ils étaient deux et j'étais tombée par terre. Quand j'étais tombée par terre, on m'a envoyé là-bas. Quand on m'a envoyé là-bas, les frères ont prié pour moi jusqu'à... Et arrivé un moment, mon homonyme était sorti de moi. Quand elle était sortie de moi, son un côté avait brûlé. Et ici, c'était en train de brûler aussi. Et bien, elle brûlait, elle était devenue en cendre. Que l'honneur, l'élévation, la gloire soit avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon infirmité a trop duré. Ça fait 3 ans immobilité. Donc quand je marche, je me lève. Et que je m'assois, je n'arrive pas à marcher encore. Je n'arrive pas. Donc quand je suis arrivé ici, bon, on priait. Mais ce soir particulièrement, j'ai dit à ma soeur, parce qu'elle n'a pas fait sa repentance. Elle avait fait ça à Gagnoua, mais elle n'est pas passée au baptême. J'ai dit, tu dois le faire. Donc, elle est allée là-bas, elle dit, mais accompagne-moi. J'ai dit, mais comment je peux t'accompagner dans ces conditions-là? C'est ce que je lui ai dit. Maintenant, elle est partie. Et puis, je ne sais pas, elle m'a poussée à aller la rejoindre. Mais je marchais difficilement. Je titubais. Les gens qui me voyaient, même, ça n'allait pas. Et je suis arrivée là-bas. Et puis, le frère qui la suivait, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je lui ai expliqué. Il dit, c'est pour le brisement des liens, tu n'as pas fait ta réponse. J'ai dit, j'ai déjà fait ça. Mais mon pied, il m'a rendu ministère, il a prié pour moi. Et puis, je suis venu en titubant toujours. Mais par la foi, j'ai dit que je vais marcher. Donc, quand papa a prié, une douleur. Vraiment, je ne peux pas exprimer ça. Dans mon genou, je ne pouvais pas. Je dis, pourquoi j'ai mal? Pourquoi? Donc, quand papa a dit, levez-vous. Enfin, ceux qui m'achètent de se lever là, j'hésitais, j'ai dit non, il faut que je le fasse par la foi. Et j'ai essayé de marcher, et la douleur a disparu. Et maintenant, je peux marcher. Jésus-Christ. Que nos saints soient glorifiés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.
Moi, c'est le frère Fabrice Nyagne. Mon frère de mission, c'est le pasteur Yves Etekou. Et vraiment, je remercie le Seigneur. Je suis arrivé depuis le dimanche passé. Et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas marcher pour arriver ici. On m'attrapait et j'étais découragé. Mais quand je suis arrivé, j'étais assis dans les chaises. Et quand le pasteur a dit que tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, qui viennent au milieu, et je suis venu au milieu, j'ai commencé à prier. Et il y a une force qui a tressailli en moi. Et je suis venu, j'ai marché ici. Maintenant, après ça, quand je me suis retourné, j'ai trébuché au niveau de mes genoux. Et je n'arrivais pas à marcher. Quand je viens, je n'arrive pas à me tenir sur les pieds. Mais tout à l'heure, quand il a parlé, il y a une force qui est venue encore à moi. Et je me suis relevé. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je me nomme Daskindo Elisabeth. Mon fidèle d'ici, c'est la sœur de Wynne. J'ai dit merci à Dieu qui m'a délivré de mon épée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà Dieu. Je m'appelle Toïda Lydie. On peut se dire que c'est Colin à Nice. Il m'a guéri les maladies de Sterling. Les maladies de Sterling. Il m'a guéri les maladies de Sterling. Depuis hier. Je vais me prier si c'était l'intérêt. Toujours, c'est plus comme ça. Que je laisse mon bas vent. Et puis, ça me fatigue. Jusqu'à hier, j'étais me prier. Ça a soudain mon bas vent. Ça me suit mon bâtiment. Mon bâtiment était lourd. Mon bâtiment, mon dos était chaud quand c'était fait. Bon, j'étais assis et prier. Et dit, hey Dieu, aujourd'hui, je vais me guérir. Je vais me dire, c'était l'intérêt. Je suis pris la grâce. Et puis, c'est un temps de douleur disparu. Toi, tu m'as venu hier, tu dis, attends, aujourd'hui, hier nuit là, j'ai prié, rien de souvenir de mon bas-ventre. Aujourd'hui encore, mon bas-ventre est libéré, il est rempli de douleur de mon bas-ventre. Les dieux merci, au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ici la sœur Yao, enfant Anne Kiffen, mon faisant de d'ici, c'est Moni Larissa. Je dis merci à Dieu. Pendant qu'on priait, j'avais très mal au ventre. Quand on était dans le cas, j'avais mal au ventre. Mais quand j'arrivais ici, pendant qu'on priait, j'avais très mal. Mais pendant qu'on priait, Pasteur Meunier a dit, je toute maladie de mal et tête, je jugeais et je suis guérie. Je dis merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je me nomme Ngolampaï Emmanuel Fondi. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri de mal à la tête. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu, je me nomme Pondio Christ faisant au tunnel. Mon faisait le dit, c'est le frère David. Je dis merci à Dieu qui m'a guéri de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Yao Anouman Deborah Priscille. Je suis professeur de disciples, la sœur Mélodie Fatou. Je voudrais dire merci à Dieu, lui qui m'a guéri de la mal de gorge. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus en nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu. Je suis la sœur Fanta Wan. Je suis professeur de disciples, l'ancien bourg de Bongwanou. Je voudrais dire merci à Dieu qui m'a délivré. Depuis ce matin, quand je me suis réveillé, il y avait mal au cou. Je ne pouvais même pas tourner mon cou. Et tout à l'heure, après la prière, le Seigneur m'a guéri. Je peux tourner mon cou bien. Comme ça, je dis merci à Dieu. À lui seul la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Nezou. Il a vomi. J'étais malade, aujourd'hui, là, il est guéri. Amen. Amen. Gloire à Dieu! Amen. Moi, c'est Poïe Viviane.
mon faiseur, c'est maman Armand. Vraiment, j'avais mal à l'œil. Mais ce matin, j'ai prié à mes camarades en délivrance là. Je leur ai dit, mon œil là, on dirait qu'on me opère. On dirait qu'on opère mon œil. Et comme ça, mes sœurs ont dit vraiment, c'est que ton œil là, c'est une délivrance. Vraiment, tout à l'heure encore, papa a dit de prier et qu'ils vont opérer vos yeux. Vraiment, mon œil a été opéré vraiment. Et le mal que je sentais là a disparu. Tout l'idée du cœur là, même j'enlevais mon soutien, mais je ne peux même pas porter soutien. Le mal a disparu au nom de Jésus. Acclamation. Amen. Let's clap for Jesus. Gloire à Dieu. Moi, je viens d'Azopé. M'en faisait des disciples, c'est Kagé ou moi. Je vais dire merci à Dieu. Tu m'as opéré d'un mal depuis j'ai mal au cœur quand j'étais enfant. Aujourd'hui, quand on priait, il y a quelque chose qui a traversé mon cœur. Et c'est une lumière qui est venue sur moi et je suis guéri. Je dis merci à Dieu qui m'a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Agnès. Ou lorsque papa priait, là, mon ventre, en bas de mon ventre, me faisait mal. Mais lorsque papa disait que posez votre main ou mal, lorsque il a déposé ma main en bas de mon bas ventre, je ne touchais rien. Que je suis guérie. Amen. Jésus Gloire Christ. À Dieu. Jesus. Je suis la sœur Baka Ange. J'ai pour faiseur de disciple le pasteur Thiadé Stéphane Junior. Le Seigneur vient de me confirmer une délivrance authentique. Je faisais plus mes règles. C'est comme si c'était une ménopause précoce. Et je voyais même plus mes règles, jeune comme que je suis, mariée. Et il a fait les 40 jours de jeûne. Une semaine avant, le Seigneur m'a délivrée. Le sang a commencé à venir normalement. Depuis 2 ans de cela, je ne voyais plus le sang. Et ce soir, quand le pasteur priait, on a prié tout à l'heure, le Seigneur vient de me dire, je confirme que je t'ai délivré authentiquement de la ménopause précoce. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je remercie le Seigneur, vraiment, Jésus de moi. Dans ma famille, et ils ne font pas enfant. Mais là, hier, c'est ma soeur qui m'a invité. J'ai dit, ah, je vais venir ici. En venant le matin, j'ai dit, Seigneur, je m'en vais. Mais ma famille, dans ma famille, mes grands, 2 tantes ne font pas enfant. Ce n'est pas l'héritage qui va me rester. Quand papa priait tout de suite là, il dit, prière silencieuse. Donc, je pleurais. Je pleurais, il y a une voix qui parlait que, faut plus pleurer encore. Tu es venu ici là. Tu as déjà délivré, tu vas avoir enfant. Donc, moi, c'est ma trimette. Jésus-Christ. Jesus. Amen. En fait, moi, c'est la guérison. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, ma fille a reçu la guérison au niveau de sa poitrine. Donc, je dis merci au Seigneur. Et puis, j'avais un peu mal au cou. Je ne sens plus la douleur. Donc, je rends gloire à Dieu. Et pendant la prière, je sentais qu'on versait de l'huile sur ma tête. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour tout ça. Amen. Acclamons. Alléluia. De l'esclave. Je veux dire merci vraiment à la soeur, Madame Prégnon. Je suis venue avec mon époux, mes enfants. Vraiment, il y a une maman qui m'a invitée à CMC ici, il y a longtemps. Et hier, le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler la maman. Et quand j'appelle la maman, elle ne s'entendait pas. Et il y avait le numéro de pasteur Kwasi Ju dans le portail de mon mari. Et mon mari m'a dit, il faut l'appeler. Et quand on l'a appelé, il a dit, il n'y a pas de problème, on va venir aujourd'hui. Mais lui, mon mari, il va rester. Il s'est dans la chambre, j'ai prié le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il devait travailler. Il m'a dit, non, demain, on va partir ensemble et on va terminer le vendredi. Et quand nous sommes arrivés ce matin, mes jumeaux ont commencé à vomir. Mon fils vomissait, il ne se sentait pas bien. Il faut dire que dans ma famille, il y a des gens qui sont décédés. Mon grand frère aîné m'appelle d'envoyer ma cotisation. En temps, j'ai perdu mon dernier enfant le
En mai, j'ai accouché, il n'est pas resté. Personne n'est venu me dire, Yako. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne donnes pas de cotisation, parce que c'est toi qu'on cherche. Et j'ai dit au Seigneur le soir, Seigneur, donne-moi la force de prier et de briser tout. Et quand l'homme de Dieu a dit que tout hôtel est brisé, on brise tous les liens, je vous assure, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit que c'est fait. Je vais dire merci au Seigneur dans la vie de son serviteur. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur pour la guérison de ma grande... Ma belle-mère. Je m'appelle le frère Miao Roger. Ma belle-mère devait venir ici aujourd'hui, mais comme elle a fait l'AVC, c'est difficile de monter les cars. Et pendant que le pasteur a dit que les gens n'ont qu'à venir rendre les témoignages, quand j'ai vu les gens marcher, quand j'ai vu les frères marcher, j'étais parti pour appeler pour qu'elle se lève et marche. Et à la maison là-bas, j'ai entendu « Wow, wow !» Et puis... Alléluia! Donc, RTVC est en train de travailler à la maison là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ l'a levé, elle l'a fait marcher. Le Seigneur Jésus-Christ a fait marcher ma belle-mère qui est à la maison, qui est en train de regarder RTVC. Que le Seigneur soit glorifié. Amen! Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bakayoko Nzata. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Tiade. Je veux dire merci au Seigneur qui vient de me délivrer d'un envoûtement, la sorcellerie pure. Frère, il faut dire que j'ai perdu une de mes grandes sœurs en 2012. C'était à Djamé, les funérailles, dans la grande cour. Je n'étais pas convertie, mais ma sœur m'avait déjà parlé de Jésus. Elle m'avait même donné une Bible. Donc, quand je suis venue pendant les funérailles, j'ai dormi à la maison là-bas. Pendant que j'étais couchée, je ne dormais pas profondément. J'ai vu l'ombre d'une personne qui est venue me limer sur ma poitrine, sur le côté droit. Tellement la douleur, la personne m'a limé fortement, donc ça me faisait très mal. Je me suis levée en même temps. La personne a disparu. Après, j'étais couchée là, je ne dormais plus. L'ombre est venue maintenant comme un petit garçon pour venir bondit encore sur moi et puis j'ai crié Jésus. Frère, je ne connaissais pas Jésus. Je n'étais pas converti, mais on m'avait prêché l'évangile. Et l'ombre a disparu. Le lendemain, on attendait, je ne sais pas, les vieilles, tout le monde était là. Pour sortir de la maison, j'avais tout un problème. J'étais accroupie comme ça, la douleur. Mais ma soeur qui connaissait déjà Jésus a prié pour moi. Je me suis redressée, mais la douleur de 2012, c'est ce soir-là que la douleur a disparu. Tout à l'heure, là. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure, la douleur a disparu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Depuis, je touchais ma poitrine, je touchais. Je ne voyais rien. Je me suis assise encore, je touchais. Mais tout à l'heure, le Seigneur a changé la solution. Il a tout changé. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce qu'il y a une autre guérison authentique? Viens. Is there another genuine healing? Come. Oui, viens, ne rentre pas avec le témoignage. Do not go back with the testimony. Come. Guérison authentique en une phrase. Genuine healing in one word. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Yvonne. Mon frère de disciples, c'est le pasteur Daniel Yao Kofi. Vraiment. Celles qui sont venues là. Only those who have come. Depuis ce matin, j'ai mal au cou pour tourner mon cou là. C'était difficile. Mais tout à l'heure, quand papa a dit de prier pour les coups, je me suis dit, on dirait que c'est à cause de moi que Dieu a mis ça dans son cœur. Et puis j'ai prié. Quand on a fini, j'ai tourné. C'est parti, je n'ai plus mal au cou. Je bénis Dieu pour la guérison qu'il a opérée. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur. Non, laissez-la déjà là. Leave her.
Je suis la sœur Antoinette Nguessan. Depuis le matin, je me suis levée. Alors, j'ai commencé à faire la diarrhée. Une diarrhée pas possible. Chaque 5 minutes, je dois aller dans les toilettes. Chaque 5 minutes. Même ici, assise là, dans la salle, je défilais seulement. Même je suis allée dans les toilettes, j'ai tant duré que les femmes ont commencé à murmurer contre moi. Mais je n'avais rien dit. Et tout à l'heure, pendant qu'on priait, je voyais un gros tuyau. Excusez-moi, un gros tuyau là où passent les déchets. Et ils sont en train de vider tout dans mon ventre. Ils étaient en train de vider. Et le Seigneur est venu, il a coupé le tuyau, il a tiré le tuyau, il l'a jeté dans le feu. Et Jésus je ne sens plus de douleur. Amen. La voix l'a guéri authentiquement, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus. Acclamons Jésus-Christ. Acclame Jésus. Vas-y. Go on, quickly. Rapidement. Quickly. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Esso Esmer Givinance. Quand papa priait, j'avais hernie, mais je ne savais pas. Gloire à Dieu. Et quand papa priait, il a prié pour l'hernie. Et mon bas-ventre me faisait mal. J'avais une fausse douleur. Mon bas-ventre, ça descendait à mon hernie gauche. Et quand papa priait, je me sentais mal jusqu'à la scène que je suis assis. Je suis quitté, je suis descendu. Et quand papa priait, il priait. Quand il a fini la prière, il a demandé que les gens viennent témoigner. Et la douleur insistait. Et j'ai marché, moi, je suis parti voir l'équipe de la délivrance. Gloire à Dieu. Et je l'ai expliqué. Ah, frère, voici ce que j'ai. Il m'a dit de m'asseoir. Et il a prié. J'ai vomi. Gloire à Dieu. Et il m'a donné un bidon d'eau. Quand j'ai bu, il m'a dit de partir pisser. Et quand j'ai pissé, la douleur a disparu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Robert, Bikele Bodo Robert. Je suis fait disciple par le pasteur Meunier. Il y a quelques semaines, je pense 2 ou 3 semaines, je ressentais une douleur profonde à l'intérieur de ma cuisse. J'en ai parlé avec ma femme et c'est elle qui m'inspire l'idée qu'apparemment, il faut faire attention que ça ne soit pas un mal de nerf. Et depuis l'autre jour, le pasteur Meunier a demandé qu'on prie pour les nerfs. Et tout à l'heure, pendant qu'on était en train de prier, gloire à Dieu! Il a dit, même si tu as mal au dos, j'ai ressenti, hier même, j'ai ressenti un froid, une fraîcheur au niveau de l'os. Bon, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, bon, c'est demain, gloire à Dieu. Tout à l'heure. C'est demain que je veux rendre témoignage. Et le pasteur Meunier a insisté que s'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage, qu'il vienne. Ne rentre pas avec le témoignage. Donc, je suis venu, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri de ce mal, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Nchos Opinadine et j'ai pour faire des disciples, maman Kamle Edwige. Faut dire que pendant le ministère des semeurs, j'avais des douleurs à la poitrine et j'avais même du mal à chanter. J'ai dit à Dieu que cette douleur-là reste ici et que je me retourne à Zopé. Et le Seigneur m'a entendu, il a permis que papa Meunier donne le sujet, que toute douleur dans la poitrine soit arrachée, jugée. Et vraiment, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a délivré tout à l'heure. Je vais dire merci au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivant. Alléluia! Je suis le frère Kwame Kwadiose, je suis disciple du pasteur Biaïchal. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Qui m'a délivré tout à l'heure. Gloire à Dieu. Il faut dire que l'année surpassée, j'avais eu un problème d'appendicite qui avait été diagnostiqué et je devais faire une opération, mais j'avais refusé de faire l'opération à cause de la peur. Et donc, une maman, une vieille, m'avait donné une poudre noire et j'ai bu la poudre. Elle m'a dit que c'était fini, mais depuis lors, je sentais des douleurs jusqu'à ce jour où ça passe dans mon bas-ventre, tout et tout. Et même quand je dois prier, c'est avec vraiment un tas de problèmes. Je suis obligé de m'asseoir.
Mais tout à l'heure, chers frères, le Seigneur Jésus-Christ, après la prière du pasteur Meunier Boniface, la douleur a disparu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Nyadré Rabé Dokas. Je vous faisais le disciple l'ancien Frondo de Benjamin. Je dis merci au Seigneur qui m'a guéri des règles douloureuses. Au milieu de la nuit, mes morceaux sont venus et j'ai eu très mal jusqu'à ce soir. Pendant la prière ou une prière pour les maladies, moi je priais que le Seigneur me guérisse des règles douloureuses. La douleur était forte et lorsqu'on a fini de prier, le Seigneur m'a guéri, la douleur a disparu. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Moi, je suis le frère Esso Corneille et pour faire l'ancien Dédé. Et je vais dire merci au Seigneur parce que j'avais tellement un mal au dos. Mais ce soir, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a totalement guéri, délivré. Je vais dire merci au Seigneur, au nom du Christ. Amen. Moi, je suis la sœur Blondet Pélagie. J'ai pour faiseur de disciples par sœur Biaï. Toute la journée, j'avais mal à la poitrine, au point même que j'enlevais mon soutien. Et tout à l'heure, qu'on priait... Tout à l'heure qu'on priait, cette douleur-là lâchait ma poitrine. Et puis quand on priait aussi, il y avait un problème d'oreille. Souvent, mon oreille se bouche, ça se débouche. Mais tout à l'heure qu'on priait, c'est comme si le bouchon est sorti de mon oreille. Je peux bien entendre, il n'y a plus de problème d'oreille. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Mireille, mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meunier Boniface. J'avais mal au cou quand je suis arrivée, j'avais, comment on appelle ça, torticolis. Et tout à l'heure, quand on a prié, le mal a disparu. J'avais une autre douleur au niveau des fémurs, c'est une maladie héréditaire. Et là, ce soir, le Seigneur a opéré le miracle, je suis complètement délivrée de la douleur au niveau du bassin et au niveau des fémurs. Je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Fatima Mambo et j'ai pour faire le disciple le pasteur Esso Louis Olivier. Ce matin, quand je venais vendre, j'avais terriblement mal au ventre. Je suis allée aux toilettes, je ne faisais pas vraiment de sel, mais j'avais mal au ventre comme une femme qui devait accoucher quelque chose. Et j'ai appelé mon mari, il dit d'aller vers le pasteur Traillé, il va prier pour moi. Et même pour venir rendre ministère, j'étais bloquée à ma place. Mais j'ai eu la force, j'ai rendu ministère. Et dès que le pasteur Meunier a pris le micro, le mal de ventre a repris. Et je suis allée, vraiment, c'était pénible. J'avais très mal aux toilettes, rien. Mais j'avais très mal au ventre. Au point où pour prier, mais c'était difficile. J'avais les vertiges, tout ça. Et quand le pasteur Meunier a demandé à ce qu'on mette la main sur la tête, j'ai une petite force, j'ai mis la main sur la tête. Et la douleur au niveau de mon ventre a complètement disparu. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Amen. Amen. Je voulais dire, mais je vous faisais les disciples, maman Ake Nathalie. Je voulais dire merci à Dieu. Tu m'as guéri de ma reins, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Thio Solange. Je veux dire merci au Seigneur. Tu m'as guéri d'une douleur dans les seins. Ça fait quelques jours, j'ai une vive douleur. Donc quand papa a dit de prier pour la maladie, j'ai arraché la maladie dans mes seins. Quand on a fini, j'ai senti mon sein me démanger. Quand j'ai touché, j'ai vu que la maladie avait disparu. Je rends grâce Jésus à Dieu. Christ. Amen. Alors, gloire à Dieu. Je suis frère Yapi Anissa Anatole. Mon frère disciple, Ariko Yapo Laurent Dakoupé. Je suis venu à la croisade de vendredi avec une douleur atroce de mon avant-bras droit. Je ne pouvais pas soulever. Ce soir, quand le leader a prié sur la douleur, et voilà que je me dis, pose sur le maman. Jésus-Christ. Offre d'acclamation
Clap of free. Guéri. Healed. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Elie Boga Oné. Je dis merci à Dieu qui a redressé mon bras. Quand le pasteur a dit de faire les mouvements que tu ne veux pas faire, quand j'étais en troisième, avant d'aller composer le BPC, mon bras s'est cassé. J'ai composé avec une plate, mais Dieu m'a fait grâce à lui mon examen. Mais tout à l'heure, quand il a fini, tout à l'heure, quand le pasteur a fini de prier, je fais les mouvements, je vois que je peux faire mon bras bouge normal. Donc je veux dire merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La guerre contre les maladies continue demain. The war against diseases continues tomorrow. Quand tu es seul, when you are alone, dis oh Père. Say oh Father. Exauce-nous. Answer us. Qu'on n'entende plus parler de maladies incurables. Let us not hear talking about incurable diseases anymore. Alléluia. Praise the Lord. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet, please. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Crois que tu es guéri. Believe that you are healed. Certaines personnes vont se réveiller. Some people will get up. Un jour. One day. Ils vont constater qu'il n'y a plus le mal. They will just notice that there's no more pain. Quand tu vas chercher quel jour tu as été guéri, tu ne sauras pas. When you try to know when you were healed, you will not realize it. Le ministère de guérison, the ministry of healing, se manifeste de plusieurs manières. Is manifested in many ways. Il y a des maladies dont on ne peut pas mesurer tout de suite qu'elles sont parties. There are diseases that we cannot see, verify right now that it is gone. Mais quand tu as les maux de tête, but when you have headaches, quand ça quitte, tu sais que ça vient de partir. When it leaves you, you know that it has gone. Quand l'oreille est bouchée, quand ça s'ouvre, tu sais. When the blocked ear is opened, you know it. Quand tu as mal au ventre, when you have a stomach ache, quand ça finit, tu sais que c'est fini. When it is over, you know it is over. Et ça montre aussi que beaucoup ont été guéris d'autres maux. It also shows that many have been healed from other pains. Et on ne peut pas voir ça maintenant. And this cannot be seen right now. Si une femme était stérile, if a woman was barren, elle ne peut pas savoir ce soir qu'elle est guérie. She cannot know it this evening that she's healed. Mais elle doit croire. But she must believe qu'elle est guérie. That she's healed. Et l'an prochain, and next year, vous verrez un bébé ici. You will see a baby here. Donc, ça demande la foi. So this requires faith. Ceux qui ont marché, those who walk, doivent continuer à marcher. Must continue to walk. Jusqu'à ce que certains doivent bien manger maintenant. Parce que la maladie les a affaiblis, mais ils sont déjà guéris. Certains doivent bien s'alimenter. Some must eat well now. Pour que les nerfs, les muscles s'affermissent. For the nerves and the muscles to become. Mais la guérison est déjà là. Firm. But healing is already there. Ils ne marchaient pas, ils ont marché. They did not walk, but now they walk. Dis Père, say Father, je protège ce que j'ai reçu. I protect that which I have received. Je protège ce que j'ai reçu. I protect what I have received. Je protège ce que tu m'as donné en tant qu'individu. I protect what you gave me as an individual. Je protège ce que tu m'as donné en tant que membre du corps. I protect what you gave me as the member of the body.
Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je commande à tout démon de ne pas s'approcher de moi. I command every demon not to draw near me. De ne pas aller à la maison. Not to go home. Tous les démons de maladie qui sont sortis, qui s'en aillent. All the demons of diseases that get out, let them go. Loin, 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 loin. Far, far, far. Dis Seigneur. Say Lord. Merci pour les prières qui sont entrées dans les coupes. Thank you for the prayer that I've got into the cup. Merci parce que tu vas les utiliser. Pour combattre nos ennemis. Thank you because you will use them to fight our enemies. Et pour nous établir dans tes victoires. And to appoint us in your victories. Dis Seigneur. Say Lord. Ramène-nous demain. Bring us here tomorrow. Et combat avec nous. And fight with us. Anéantis le règne de la maladie. Bring to naught the reign of the disease. Toute maladie. Dis Seigneur. The Lord. Nous nous séparons. We separate ourselves. Mais nous restons dans le champ de bataille. But we remain on the battlefield. Contre les maladies. Against diseases. Toutes les maladies. All the diseases. Les petites maladies. The small diseases. Et les grandes maladies. And the big diseases. Les maladies du corps physique. The diseases of the physical body. Les maladies du corps spirituel. And the diseases of the spiritual body. Dis Seigneur. Say Lord. Que ton nom soit loué. Let your name be glorified. Amen. Amen.